Les crunchs à la poulie, mouvement très intéressant pour travailler la sangle abdominale. À genoux, face à la poulie, prenez la corde triceps en prise neutre et mettez les mains au niveau de la tête. Fixez votre bassin pour minimiser l'intervention de l'iliaque et du grand psoas. Une fois les mains en position, elles ne bougeront plus pour ne pas interférer le travail des abdominaux. Enroulez le buste à la force de vos abdominaux, ressentez la contraction, puis revenez en position initiale. Attention toutefois à ne pas abuser sur l'extension de votre dos pour ne pas vous blesser. L'erreur commune est de ne pas enrouler le buste et de faire appel au fléchisseur de hanche pour bouger la charge. Sur le plan anatomique, cet exercice recrutera le grand droit, les obliques internes et externes. Une option à la hausse de ce mouvement est possible si vous vous placez dos à la poulie. Cependant, ce mouvement est réservé aux pratiquants avec un certain niveau et déjà très à l'aise avec la position classique. D'autant plus qu'il sera à proscrire aux personnes souffrantes du dos car il viendra tirer davantage sur les lombaires. Merci d'avoir regardé la vidéo et bon entraînement.